Alors, je m'appelle Eve. Je suis, on va dire, de Sanary depuis 12 ans. Je vends tout un rayon de savon et de senteurs. Donc, j'ai un savon, du savon parfumier comme celui-ci. Après, vous avez le savon de Marseille, le savon d'Alep, le savon fantasy avec les lettres où on peut faire des prénoms, on peut composer les noms qu'on veut. Et après, on a la fantasy en pâtisserie. C'est tout des créations. Exemple, les macarons, ils sont faits un par un à la main, puisque comme vous avez trois couches dans le macaron, on ne peut pas le faire dans une machine. C'est pas possible. Donc là, vous avez les macarons, vous avez les petits beurres, vous avez les cupcakes, vous avez les bougies avec la chantilly. Parce que j'habite Sanary, j'ai eu une boutique dans Sanary, le marché de Sanary, je fais ma 12e année. Je fais le marché aussi l'été, le soir, le marché nocturne. Pourquoi Sanary? Parce que Sanary, on va dire que c'est le petit Saint-Tropez, comme disent beaucoup de clients de Toulon. Mais nous, à Sanary, on n'avait pas Brigitte Bardot, c'est pour ça qu'ils ont préféré Saint-Tropez. Mais Sanary, c'est unique. C'est magique, c'est un petit village qui est provençal, c'est, comment je peux vous dire, le soleil, vous avez un mode de vie à Sanary qui est hors du commun. Vous avez, on va dire, la tranquillité, la sérénité, ne serait-ce que pour les enfants. Moi, j'avais ma fille, quand je suis arrivée ici, qui avait 10 ans. Il était hors de question que je la lâche dans une ville comme ça, ailleurs. Ici, elle descendait du collège à pied, il n'y a jamais eu de soucis. Voilà, c'est quand même quelque chose, de rare à l'heure actuelle. Ah ben, votez Sanary, hein, parce que c'est le plus beau des marges.